Is everybody in? The ceremony is about to begin. Run with me. Vous apprêtez à laisser vos oreilles entrer de plein pied sur les terres confidentielles du rock progressif. Mais quelle est cette musique étrange, venue d'ailleurs, que l'on n'entend jamais à la radio et ne semble connue que de quelques illuminés, heureusement fort rares? La musique que vous entendez actuellement est la grande fresque Celebration of the Lizard des Doors. Nous sommes donc en 1969. Et une décennie qu'on peut dire légèrement agitée s'achève en apothéose du 15 au 19 août dans une prairie de l'État de New York. Une nouvelle forme de musique est en train de naître avec les évolutions techniques de l'époque. On peaufine l'électronium de grand-papa pour sortir le premier Moog et certains s'amusent à brancher des lampes sur leur guitare pour voir ce que ça donne. Fort de la découverte de l'électricité et de ses possibilités sonores, quelques artistes se nourrissent déjà de ces divers vents du changement à forte tendance incontrôlable. Ils vont bientôt aller, non pas plus loin, mais au-delà des Flower Power qui, somme toute, sont toujours restés de gentils originaux. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square. Une surprise va déferler sur les beatniks de la couronne, rentrés depuis peu de leur voyage culturel américain. Un nouveau groupe de leurs compatriotes leur propose, en avant-première, le monde qui se prépare pour leurs enfants et petits-enfants, celui du siècle prochain. Ils sont encore dans les vapes du Jefferson Airplane, effringués des quelques feuilles de chanvre planquées dans leurs tifs mal peignés qui ont miraculeusement échappé à la Sweet Smoke. Le 10 octobre 1969, toujours bercés par la douce voix de l'adorable Joan Baez, ils entendent ça. Évidemment, ça leur a fait comme un choc. In the Court of the Crimson King, an observation by King Crimson, est souvent considéré comme le premier disque de rock progressif, qui, en fait, n'a de rock que les instruments. Et encore, vous constaterez que même ça, ça se discute. À ce titre, certains préfèrent l'appeler progressive music, c'est-à-dire la prog pour les intimes. À l'origine, la prog promet donc d'être une musique qui, si elle n'est pas toujours agressive, reste au minimum clairement pessimiste. Mais, malgré un message dont la joie de vivre reste très relative, admettons-le, la fin des années 60 sera marquée par l'immédiat et phénoménal succès d'In the Court. Le public voit en lui la consécration d'un processus déjà commencé dans les années précédentes, par des groupes tels que les Moody Blues, Procol Harum ou Cream, et plus encore,
Pardenice et Colosseum. Avec la prog, la musique populaire pulvérise la forme couplet-refrain dans laquelle elle était toujours restée enclavée. Portée par ce succès, bien des musiciens voient tout de suite dans la prog de vertigineuses possibilités de création musicale. Et très vite, les groupes se multiplient. Van der Graaf Generator rejoint le mouvement dès 1970 avec H2H She Want The Only One et le terrifiant Pawn Hearts l'année suivante, pour ceux qui trouvent que la musique de King Crimson n'est pas encore assez sombre. Avec ces deux premiers fers de lance, la prog semble promise aux cellules capitonnées des dépressifs hystériques et autres névropathes cycliques. Heureusement pour elle, un nouveau groupe amène rapidement un peu de lumière dans le cercueil. Équivalent Jedi des tendances sites de Van der Graaf, Genesis conquiert l'Italie, qui devient dès lors le premier pays du continent européen à avoir accueilli cette nouvelle musique anglaise avec bienveillance, lors de la sortie de Nursery Crime en 1971. C'est aussi cette année-là que Jeff Rotle, qui en est pourtant à son quatrième enregistrement, s'accroche au train en marche à l'aide de sa flûte traversière, qui lui donnera toujours une tonalité unique en son genre. The silence howling, catches angels as they fall, and the all-time winner has got him by the balls. Oh, he picks up Gideon's Bible, open at page one. I think the God he stole the handle, and the train and won't stop. Oh, no, it don't slow down. Renaissance donne également une couleur particulière à la prog, en étant l'un des rares groupes dont le chant soit guidé par une femme. Ocean gypsy, oh.
La place du chant dans la prog est d'ailleurs très différente de ce qu'elle peut être au sein de la variété, par exemple. Elle devient une composante musicale parmi les autres, et non plus l'élément principal que les instruments se contentent d'accompagner. Raison pour laquelle le concept de groupe restera toujours indissociable du courant progressif. Et, en matière de voix, la prog ouvre également de grandes possibilités à des chanteurs que l'on peut qualifier d'atypiques. En 1972, un autre groupe, toujours anglais, sort du virage tellement sur les chapeaux de roue qu'il en passe close to the edge. Grâce à la phénoménale accélération de son moteur gonflé à l'hélium mystique, il gagnera d'ailleurs la course de la prog au point d'en incarner à lui seul le courant le plus démonstratif. La prog symphonique, c'est Yes. Mais cette veine d'inspiration ne reste pas seule sur la planète prog. Dès 1970, une autre voix s'élève, dans le même registre, mais avec un timbre suffisamment spécifique pour se démarquer des disciples de King Crimson. Elle prend le nom de Canterbury, la ville d'origine de Soft Machine. Les années suivantes voient s'élargir encore la chorale, avec Uriah Heep qui passe par la prog pour parfaire son grand écart entre hard rock et pop britannique. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking and destruction lay around me from a fight I could. She asked me name my clothing. I said the need within some men to fight and kill their brothers without thought of love or God. And I begged her give me horses to trample down my enemies. So eager was my passion to devour this waste of life. Et surtout, par la réalisation de la quadrature de la prog, du classique, de la musique médiévale et du jazz, avec un groupe qui, de son propre aveu, repousse les limites de la musique populaire contemporaine au risque d'être impopulaire, Gentle Giant. We'll be right back.
Les maisons de disques n'hésitent bien entendu pas à surfer sur le tsunami provoqué par la prog, allant jusqu'à créer une super formation de jeunes prodiges, au croisement de King Crimson et du groupe précurseur de Nice, Emerson, Lake & Palmer. Le trio clavier, basse, batterie propose des compositions dont la virtuosité rappelle fort la musique classique. Avec le recul du temps, l'engouement spontané pour la prog a de quoi paraître invraisemblable. Elle rejette ouvertement toutes les règles de la bienséance commerciale qui avaient prévalu jusqu'ici et qui ne tarderont d'ailleurs pas à revenir en force. S'appropriant un privilège réservé jusque-là au jazz et autres musiques savantes, les morceaux de prog s'allongent jusqu'à dépasser le quart d'heure, toucher les 20 minutes, voire envahir le temps d'un disque complet, c'est-à-dire une quarantaine de minutes à l'époque. Pas de quoi séduire immédiatement le public le moins à l'aise avec l'effort de concentration. Comme la prog ne se danse pas, on ne peut pas l'utiliser pour faire des rencontres sympas en boîte de nuit. Elle ne présente donc aucun intérêt pour les prolos en âge de l'écouter. Les structures musicales deviennent de plus en plus complexes, se coulant volontiers dans celles de la musique classique. Ainsi, de véritables musiciens envahissent des scènes souvent réservées auparavant à de vagues gratouilleurs du dimanche. Son déluge de notes ne rassure pas les nombreux auditeurs pour qui la musique ne sert à rien d'autre qu'à meubler le silence. Le rock échappe ici à son statut de simple divertissement pour accéder à celui de véritable vecteur de création artistique. Bref, tout faux la prog. Mais à trop user d'une liberté, on peut s'attendre à de l'abus. L'année 1973 voit sortir de nouveaux projets musicaux tellement monumentaux que des raclements de gorge commencent à se faire entendre dans la critique. La prog y gagne alors l'autocollant de mégalomanie et de prétention qu'elle porte encore de nos jours. Cette année-là est également marquée par des cloches tubulaires en forme de ruban de Möbius et un prisme de la lumière blanche que bien des gens reconnaissent encore aujourd'hui. Si Mike Oldfield et Pink Floyd ne sont pas toujours associés à la prog, c'est parce qu'ils s'en écarteront petit à petit pour n'y revenir qu'épisodiquement. Néanmoins, on remarque que, jusqu'à présent, tout cela semble un peu janséniste. Hors de l'Angleterre, point de prog. Mais le reste du monde emboîte le pas des sujets de Sa Majesté, à commencer par l'Europe et notamment l'Italie. Banco et PFM rencontrent le succès au-delà de leurs frontières, chez les initiés bien sûr. We'll be right back.
L'Allemagne, au contraire, garde ses créatifs pour elle. Nectar et Novalis franchissent peu le Rhin, pas plus que Eloy, malgré son océan d'or en 1977. Grobschnitt reste confidentiel, y compris dans son propre pays, en dépit d'une Solar Music particulièrement inspirée. En outre, l'Allemagne crée une nouvelle couleur dans l'arc-en-ciel grâce à sa tradition de musique électronique. Klaus Schulze, Kraftwerk et son grand voyage sur la Autobahn, ainsi que Tangerine Dream, poussent la prog dans la direction cosmique du krautrock. Si l'électro a entendu parler la langue de Goethe dans son berceau, elle a su en apprendre d'autres, et notamment le grec. Vangelis devient, en tant que fils d'Aphrodite et en solo par la suite, l'un des plus célèbres représentants d'une cybermusique ultra câblée. Dans tous les pays d'Europe,
émergent des portes-étendards de la Prague, tels que Triana en Espagne, Kaipa en Suède, ou encore le néerlandais Focus, dont la créativité débridée sait marquer les esprits. Puis, continuant son voyage sonore qui, par définition, passe les doigts dans le nez à la barbe des frontières, de nouvelles formes de prog nous arrivent de pays plus exotiques, tels que la Hongrie, avec Omega, puis Solaris, une étoile filante dont les fans du genre se souviennent encore. Les tentatives françaises, quant à elles, telles Atoll, Pulsar ou Clearlight, ne pullulent pas et ne percent pas vraiment. Elles restent victimes du déficit de structure pour jeunes talents en France, du manque de confiance des radios et, in fine, du désintérêt d'un public national qui, héritant de telles conditions, reste globalement réfractaire. Les groupes qui remplissent parfois des stades de l'autre côté de la Manche ou des Alpes jouent souvent devant trois pelés et un demi-tondu lorsqu'ils passent dans une cave aménagée pour la circonstance dans le 18e arrondissement de Paris. Néanmoins, Ange porte haut la liberté prog dans un pays qui cauchemarde encore de celle de mai 68.
Mais c'est dans la dissidence que la prog à la française réussit à faire son trou. Avec le courant Zeul, incarné par le groupe qui en a créé jusqu'au nom, Magma. Depuis le début des années 60, l'Amérique est grande importatrice de musique britannique. Les groupes anglais partent se faire connaître aux États-Unis, où, bien sûr, ils inspirent leurs homologues d'outre-Atlantique. Kansas joue dès 1974 une prog matinée de blues qui ne reniera jamais la bannière étoilée. In the ground our bodies lay, you will stay. En outre, l'année 1977 apporte une enrichissante contribution au genre grâce à l'évolution inattendue d'un groupe de hard rock canadien, Rush. Une fois les bases de son histoire posées, l'univers de la prog commence à se compliquer. Les musiciens déjantés et massivement anglophones qui peuplent son petit microcosme se connaissent tous, comme les habitants d'un village de montagne. La famille prog s'enrichit d'elle-même, par consanguinité, quelle horreur, en créant des ramifications à partir des formations d'origine. La filiation de Source Machine est l'une des plus larges, essaimant ses nombreux musiciens dans divers groupes tels que Matching Mole ou Gong, puis débordant du cadre de la prog jusqu'à intégrer le trio de The Police. De sa rencontre avec le patriarche Crimson, naît un groupe qui crée, avec son second et dernier album, un parfait trait d'union entre prog et rock typiquement British, UK. Driving down Park Lane, as land
car towards the Thames and Waterloo. Si le gourou Yes préfère, quant à lui, laisser ses membres s'envoler en solo, on retrouve néanmoins l'un de ses gènes dans Eja, le fils très rock FM de UK. De l'autre côté de l'Atlantique, on ne chôme pas non plus pour développer les inspirations. Nourri au rythme de Led Zeppelin et de Blue Oyster Cult, les héritiers de Rush portent un nom de famille bien à eux, la progressive metal. D'abord représentés par des membres tels que Joe Satriani, Queensryche, voire Metallica aux limites du genre, il est porté aujourd'hui par Dream Theater. L'histoire de la prog ne s'arrête pas aux années 70, même si la fin de la décennie faillit l'achever. Plus morose que 10 ans auparavant, le monde se reconnaît mieux dans les sons rageurs de la musique punk, et dès lors, les envolées lyriques de la prog rappellent les siècles d'avant le déluge. Les chaînes de radio, pour leur part, ne voient aucun avantage à diffuser des chansons dont la longueur les force à drastiquement réduire la fréquence de leurs spots publicitaires. Pour compléter la catastrophe, les textes de prog s'inspirent souvent de littérature classique, de contes, de fables, voire de mythologie antique ou de science-fiction, ce qui lui vaut une solide réputation de musique intellectualisante auprès de l'immense public plus familier des « I love you, baby, on the beach » que des pièces de Shakespeare. Or, c'est à cette époque que la création un tant soit peu élaborée devient suspecte et ne tarde pas à se retrouver marquée du sceau de l'infamie. Et on ne parle plus désormais de vendre des disques à 10 ou 20 000 exemplaires. L'industrie de la musique se chiffre maintenant en centaines de milliers, voire en millions d'albums. Et même en centaines de millions lorsqu'on a la bonne idée de compter plutôt en dollars. Dans ces conditions, hors de question de continuer à parier sur une créativité jugée trop risquée. Pourtant, un groupe étrange ne cesse de monter depuis 10 ans dans l'estime du public. Il touche à tous les genres, brise toutes les barrières, mise sur la carte commerciale en papier mâché, autant que sur un inattendu totalement déroutant. Mais nous y reviendrons. À l'aube des années 80, la prog est plongée de force dans les couloirs obscurs de la musique underground. Toutefois, une nouvelle génération de musiciens, dont la soif de création s'est trouvée décuplée par l'explosion des années 70, donne un coup de jeune au genre, notamment au Royaume-Uni, avec Marillion, qui réussit une belle percée de notoriété dans une époque plutôt hostile.
En outre, il était fatal que la prog nous revienne revisitée par le seul pays du monde à avoir eu le coup de foudre pour elle. Dès 1969, King Crimson avait détrôné les Beatles au premier rang des charts japonais. Tokyo ajoute sa patte à l'ensemble grâce, entre autres, à l'ambiance tonitruante du groupe Gérard, Messi Messi, et parvient même à féminiser tout ce petit monde avec les trois musiciennes passages d'Ars Nova. Mais rares sont ceux qui réussissent à s'imposer au point de pouvoir en vivre. Pourtant, le mouvement souterrain continue, mené par un groupe au profil atypique, Camel. Formé en 1971, il était toujours resté, malgré la richesse de ses petits bijoux, dans l'ombre des dinosaures qui, pour la plupart, se sont éteints à la fin de l'ère 70s. Ou pire, pour certains d'entre eux, ont commencé à pousser la chansonnette. Mais, dans les années 90, Camel offre à la prog deux créations d'une profondeur tellement achevée qu'elles entrent par la grande porte parmi les plus brillantes étoiles du genre. Elles ouvrent la voie à d'autres. Dans les couloirs de la néo-néoprog, on croise le groupe anglais Porcupine Tree, sans doute l'un des plus créatifs de la nouvelle époque. Swallow.
Les Allemands de RPVL, qui ont enthousiasmé le public dès leur début en 1997. Les musiciens de Riverside, qui, depuis qu'ils sont sortis de leur Pologne natale en 2001, se sont imposés comme des valeurs sûres du genre. Et, parmi bien d'autres encore, Cast, qui nous vient de Tijuana, au Mexique. Mais tous continuent à évoluer dans la confidentialité des irréductibles fans du genre, sans se voir offrir pignon sur radio. Et pourtant. Pourtant, un groupe étrange et inclassable défrait la chronique. En 1991, il n'y en a que pour lui, et pour son album qui ravit le jeune comme le vieux, et convainc des amateurs de musique de bien des horizons différents. Mais nous y reviendrons. Depuis 1969, le monde de la prog s'est peuplé d'une myriade d'artistes dont il serait vain de tenter une liste exhaustive, si tant est qu'elle pouvait exister. Il s'apparente à une galaxie aux contours flous, formée de constellations aux limites mal définies et dont la géométrie donne encore aujourd'hui lieu à de désopilantes querelles d'experts. D'autant plus que, depuis la fin des années 70, l'influence de la prog se sent parfois chez certains groupes à succès qui lui font des visites inattendues. À la suite de Pink Floyd, on trouve David Bowie, Alan Parsons Project et la Folge Overture de Supertramp. Avec les années 80, cette tendance passe par la Telegraph Road de Dire Straits et s'affirme 15 ans plus tard avec OK Computer de Radiohead. Enfin, dans les années 2000, un autre groupe avoue publiquement son flirt avec la prog, Muse, qui, avec The Resistance, ne cache rien de son atavisme musical.
Un succès sans précédent pour ce groupe déjà mondialement connu. Pourtant, un groupe étrange, inclassable et légendaire l'avait promis. La musique ne s'encombre d'aucune règle trop précise ni d'aucun formatage. C'est ce même groupe qui, en 2007, décroche le titre d'ultime star du rock. Et il est amusant de noter que l'une des plus célèbres chansons qui l'emporte avec lui à la postérité se range sans souci au rayon de la progressive music. Vous croyez ne rien en connaître ? Parions ensemble qu'elle vous est plus familière que vous ne le pensiez, et que les minutes qui vont suivre vont vous rappeler quelque chose. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside.